le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, qui reçoit son voisin de l'US Créteil. Créteil qui a fini la saison dernière à la 11e place du championnat. Oh, Camille Chipsac, lui qui espérait avoir une faute. Ouh, attention, ça va très vite. Grosse, grosse partie de notre gardien cristolien. C'est... Allez, l'US Créteil qui ne se laisse pas distancer. Oh, attention, Elohim Prandi à l'aile droite à la place de David Balaguer. Oh, la belle passe de Elohim Prandi. Magnifique. Ah, on voit du beau jeu là. Oh, Djekic d'intervalle, un contre un. Ah, ça va. Ouh là là. Allez, c'est... Oh, Elohim Prandi tout seul. Allez, Giblin qui tente le shoot. Ouh. Allez, Luke Steins. Oh, la belle passe de Prandi pour Sipsak. Et Sipsak qui marque. Allez, Luke Steins à la manœuvre. Christo pense. Le décalage pour Prandi. La passe dans le dos pour Greby. Et le petit shoot. Djekic de retour, Ponciano de retour, Boutolas qui reste sur le terrain. Ouh, Djekic qui s'infiltre. Allez, malheureusement, manque de précision dans le shoot. Allez, côté Paris, le décalage de Christopans. Et le deuxième but consécutif pour Valentin Zinga. Allez, c'est maintenant qu'il faut pousser le ballon. Djekic, Ponciano. Oh, Ponciano! La reprise de dribble pour l'ancien cristolien. Allez, écoutez, USDK, faut y aller. Oui! Allez, Sadou Antonzi qui va placer le premier temps fort. Denis Christopans. Oh oui! Il va pouvoir aller créer du duel, rentrer en deuxième pivot, c'est le cas. Ah, Ponciano! Des joueurs de Créteil. Oh, Ponciano! Oh, le Kung Fu! De cette première mi-temps. Allez, Prandi qui trouve Sipsak. Très bien ça! Il y a vraiment, va vraiment y avoir un championnat en haut du classement. Oh, Djekic! Allez, Prandi. Oh, Prandi qui retient sa suspension, qui déclenche et qui marque. Barbeto, Djekic, Rigaud. Oh, et Barbeto! Championnat, tireur de pénalty l'an dernier à Nantes. Oh oui, Djekic! Balaguer qui refuse le shoot. À mon avis, dans la confiance, c'est un peu compliqué pour lui là. Christopan, ce décalage. Allez, le croisé. Ponciano, la bonne passe. Et Ante Babic. Il y a Antonzi, Christopans. Ah, Stens qui s'en... Ah, Stens qui arrivait central face à Dylan Soyer. Il a été impérial au shoot. Oh, la bonne passe. Ah, mesdames et messieurs, il reste encore beaucoup de temps. On ne va pas s'enflammer. Ah, Camille Chipsac. La mauvaise transmission là du jeune Alejandro Barbeto. Tentative de passe du revers main gauche. Ah, le décalage. Allez, la passe dans le dos, David Balaguer. Oh, la tentative de roucoulette et la parade de Dylan Soyez. Ah, lui qui a pris vraiment l'avantage. Oh, Ante Babic. Il était 20 partout, par contre, qui sont un de moins pendant 2 minutes. Ouais, oh, Christopans. Bien plus impactant sur le jeu parisien que ces dernières saisons. Oh, la belle passe. Oh, et Valentin Hamann. Allez, Prandi. Oh là 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 là. Regardez un peu le travail abattu par ce joueur dans la défense. Oh, très bien joué ça. Oh, et encore la parade. Imposé, opposé à leur tir avec des parades. Oh, Steins qui s'arrête limite sur son... Ouais, la belle passe de Prandi pour Toft Hansen. Allez, Alejandro Barbeto, Ponciano, Valentin Hamann. Oui. Oh, magnifique ça. Allez, le pied involontaire. Ça joue autour de Chipsac. Oh là là. Et le bras levé, ça y est. Allez, c'est Elohim Prandi, Chipsac qui se retourne. Défenseur, hein. C'est pas un attaquant seulement, c'est aussi un défenseur. Oh, la belle passe de Prandi pour Chipsac. On joue à 7 contre 6. Et oui, on joue avec Babic et Hamann au poste de pivot. Il faudra penser à faire le changement. Ouais, Djekic, c'est bien là ce qu'il a fait. Perte de balle parce que sinon la sanction, elle est directe. Oh, la transmission entre Prandi et Chipsac. Djekic sur la passe. Ouais, la bonne passe pour Valentin Hamann. Eh, la mauvaise réception est Palika. Ah, Christopans, Ntandi. Ouais, Ntandi qui libère. Le petit croisé sans ballon.
Allez, le Kung Fu. Oh, dommage, la tentative de Kung Fu. L'interception de Gibelin. Et Balaguer pour son troisième but. On a eu deux belles équipes, des beaux joueurs. Franchement, c'était agréable et plaisant à regarder.